respecter Gaïa, quels sont les gestes essentiels? Ben ça, franchement, on le sait quand même. Déjà, ben, n'allez pas jeter dans la, votre vieille machine à laver dans la mer ou dans la nature. Hein. Essayez de polluer le moins possible. Je sais que c'est difficile, moi la première, je pollue. Hein. Je vous le dis de suite parce que moi tous les jours j'ai une poubelle. Hein. C'est, je suis dans le... Alors j'essaye, je dis pas déjà. Hein. Ne jeter le moins possible. On est dans une région extraordinaire. Je sais pas, bon, ici, je ne sais pas vous, parce que moi, je, là où je suis, à la un peu à la campagne, mais je ne sais pas si on vous donne des légumes, par exemple, l'été, ou des fruits. À qui on donne des légumes et des fruits, là? Il y en a, y a pas de, on ne vous donne pas des légumes et des fruits? Ils sont si radins que ça, mon voisin? Bon. Alors, bon. Alors, sur le marché, des fois, il y a des fruits qui ne sont pas très chers. Ça oui, hein. Qui sait qui dans le marché a vu que l'été, par exemple, on vendait des fruits moins chers. Voilà. Bon, faites des conserves. Faites des conserves. Achetez moins de conserves. Et faites vos conserves. Moi, j'en fais tout l'été. Tout l'été, je vous jure, je fais plein de confitures, de tout, en plein. Eh bien, j'ai remarqué que je jetais, franchement... si je compte les boîtes en fer que je jette dans ma poubelle, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, profitez de l'été, reprenez les gestes qui sont des gestes de nos anciennes grand-mères, mais qui sont de bons gestes. D'abord pour la santé et pour la pollution. Alors, en plus, nous, on habite une région quand même où on trouve sur les marchés des fruits, des légumes qui ne sont pas chers. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, pourquoi pas, hein? Parce que maintenant, les femmes travaillent, dont les hommes, et vous devez vous y mettre aussi. Faites des conserves. Déjà, vous jetterez moins de boîtes. C'est vrai, non? Si vous habitez un endroit où il y a une fontaine avec de l'eau potable, buvez l'eau de votre fontaine. Les anges vous donneront plus d'eau encore. D'accord? Voilà, c'est-à-dire, c'est des petits gestes, ça. Vous n'y avez pas pensé à ça. Combien de boîtes en fer vous jetez par semaine? C'est bien. Combien de boîtes de surgelés vous jetez par semaine? Très bien. Alors là, chapeau. Je suis contente et fière de vous. Donc, vous voyez, déjà, vous ne polluez pas beaucoup. Hein? Bon, je ne vous dis pas qu'on n'en ouvre pas. Hein? Oui. Les voitures. Ouais. Mais là, on n'en est pas encore... On ne peut pas actuellement, tu vois, si par exemple un cheval et une charrette, j'aurais parti ce matin pour venir vous voir. Mais bon, on y viendra peut-être, hein? Ah, Dani. Oui, par exemple, pour venir, on a pris une voiture pour 5 au lieu de 5 voitures. Ça, on peut le faire aussi. Voilà, mais ça, vous le faites, hein? Nous voyons à la télé, journaux, les désastres de la colère de Gaïa, surtout la mort. Mais nous restons encore très loin, nous ne nous sentons pas responsables. Eh bien, rigolade, nous sommes responsables de tout ce qui se passe sur la Terre. Je vous le dis, garanti. Nous sommes tous responsables. Bien entendu que nous... comment expliquer? Quand on parle de la vente des enfants, des trucs comme ça, moi je ne me sens pas responsable dans le sens que je ne serai jamais responsable de ça. Mais déjà, chaque fois qu'on fait une pollution, si vous voulez, on crée un désastre pour quelque part. Chaque fois que l'on pollue, on fait un désastre pour quelque part. Donc il faut vraiment faire très très attention à ce que nous faisons et nous sentir responsables. Voilà, nous sentir responsables. Comment les industriels pollués et les politiques menteurs vont-ils faire pour prendre conscience de la vraie situation de la Terre? Mais ils en ont pris conscience, rêvez pas. Mais entre la prise de conscience et le porte-monnaie, ils choisissent le porte-monnaie.
ils en prennent conscience. Alors chaque fois qu'il y a les pôles sont touchés, il y a des usines qui sont dans les pays du Nord qui doivent être impérativement arrêtées. Mais non. Les mers sont polluées par des bateaux usines, ils sont ravagés, la nature est ravagée, mais même le petit, il le sait. Mais il s'en fout croyamment. Ce qu'il veut, lui, c'est à la fin du mois, ce qu'on peut comprendre. Ce qu'il faudrait, c'est trouver des solutions. Nourrir sa famille, d'accord. Mais il sait bien que son petit enfant ne se nourrira pas. Mais c'est pas grave. Pose pas de questions. C'est... Si, si, ils prennent conscience du dégât. Ils prennent conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils ne veulent rien changer parce que ça touche le porte-monnaie. Parlons avec des mots simples, nous ne nous prenons pas la tête, ça touche le porte-monnaie, c'est clair. Ils savent très bien, et croyez-moi, ils le savent. Il y a des scientifiques qui bougent, on leur dit ce qu'il ne faut pas faire, et on leur dit ce qu'il faut faire, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Quel choix de vie faire, hein? J'ai l'impression dans cette vie de rajouter mon grain de pollution à la pollution déjà existante. Comment faire et quoi faire? Je vous dis, nous, on sait qu'on ne peut pas changer les choses à ce point de vue-là. On ne peut pas arrêter les usines. Mais déjà, en n'achetant pas certains produits, on fera de sorte que certaines usines... D'accord. Alors, c'est toujours un cercle vicieux de notre histoire. On en est dans un non-retour, là, incroyable. Alors, moi, ce que je dis, à notre point de vue, ne pensons pas pour l'autre. Moi, je ne pense pas pour l'autre. Hein. Je pense pour moi et je fais ce que je peux chez moi. Voilà. C'est tout. Je vais dans la nature. Nous, on a une nature merveilleuse. Je fais très attention. Je ne jetterai pas un papier. Nous, on a des chiens. Ben, on ramasse la crotte dans les rues du village. On ne laisse pas la crotte. C'est bête, c'est des petits gestes, mais pour les devas. Vous savez, les anges marchent dans nos rues. Vous vous dites toujours ça. Mon ange gardien, il marche dans ma maison. Je veux une maison propre. Vous savez, vous dites toujours ça. Hein, vous ne mettrez pas votre enfant dans une poubelle. Mais encore moins votre ange. Donc moi, je me dis toujours ça. Je dis, les anges viennent chez moi. Les anges vivent chez moi. Je fais très attention. J'essaye que ma maison soit toujours propre. Je vais dans le jardin du Seigneur, puisque nous, c'est la montagne. Je me promène dans le jardin du Seigneur et je me dis tout le temps, là où je marche, mon ange marche. Je ne veux pas salir. J'ai mon chien, là où mon chien va, je ne vais pas... attendez, je respecte. Mon chien, il marche dans la rue, les anges marchent dans les rues. Je ne laisse pas les crottes de mon chien. C'est tout. Maintenant, quand il fait dans les crottes, dans les jardins, dans les champs et tout ça, sa petite crotte, je dis rien. Hein. Quand même, ça part avec la pluie, ça fait de l'engrais. Il ne faut pas exagérer. Voilà. Donc, ce que je veux dire, il faut avoir toujours cette pensée dans votre tête. Alors, ne regardez pas la télé en pleurant sur le sort des autres. Si vous laissez votre vieille voisine toute seule, triste, c'est jour de froid. Moi, j'ai une vieille voisine qui est pas toujours des paroles... qui, des fois, elle parle, bon. Mais quand même, je ne la laisse pas tomber. Parce que mon ange gardien me regarde. C'est tout, vous fonctionnez comme ça. Mon ange gardien regarde tout ce que je fais. Et je vais essayer de faire le mieux que je peux. Mon ange gardien marche dans ma maison. Ma maison doit être toujours propre. Mon ange gardien marche dans mon jardin. Mon jardin doit être propre. Mon ange gardien marche dans la rue où je marche. Je laisse la rue propre. Voilà, je ne pollue pas. Je fais attention. Je ne vous dis pas que je ne jette pas une poubelle, hein. Je jette ma poubelle comme tout le monde, mais enfin, j'ai fait attention. Ouais. Bon. Alors, ce qui m'agace, moi, c'est les machines à laver.
Parce que moi, j'ai la mienne, elle est tellement vieille, une de ces quatre, elle me tombe en panne. Je suis très malheureuse parce que je me dis, bon, hein? Alors j'espère qu'elle sera dans les trucs de recyclage, là. Voilà. Voilà, il les recycle. Voilà, tu me fais plaisir. Voilà. Bien. Alors je pourrais la mettre en recyclage. Oui, oui, non, mais non, on ne jette rien dans la... Alors surtout, ne jetez rien dans la nature. Hein. Si votre mari fait des travaux, hein, n'allez pas le jeter dans la nature. Hein. Hmm? Quand on va chez moi, Estoé, là, dans la montagne, à un moment donné, une villa, écoutez, c'est... moi, je vous jure, celui-là, je lui donnerai une petite punition, quand même. Je lui donnerai une punition, parce qu'il va... Vous passez, c'est un monsieur qui fait il est entrepreneur, je pense, qui fait de la maçonnerie. Tout le bas de son jardin, ça donne dans la rue, tu sais, qui monte vers chez moi, là, c'est plein de gravats. Des années de gravats qu'il a jeté là. Hein. La nature, elle est toute étouffée, elle est en train de mourir. Tout ça, en plus, c'est joli, hein, on voit sa maison et tout le truc. Eh bien, ça, vous lui donnerez une punition. Lui, je lui toucherai le porte-monnaie. Ben voilà, mais tout le long de sa maison, hein, tu vois ce que je veux dire? Ben voilà. Et bien, il aurait une petite punition de ma part. Ce qu'ils disent, voilà, ce qu'ils disent se passe donc. On ne peut plus rien faire, hein, qu'à attendre et subir. C'est tristouné tout ça, moi, hein. Ouh, on n'a rien compris, hein. Alors, oui, ce qu'ils disent se fait. On n'a pas à attendre et subir. On a à attendre, mais on n'a pas à subir parce que nous, on a la foi. En fait, c'est... Moi, j'ai la foi, hein. Comme une fois, ils m'ont sorti d'un truc, je ne vous dis pas, hein, galère. Hein. Alors qu'ils disent aussi qu'ils peuvent tout arrêter. Non. Vous n'avez pas compris. Nous, on peut tout arrêter si nous prenons conscience que de ce que nous faisons. Les anges disent, nous sommes là, nous ne pouvons pas vous enlever vos épreuves que vous créez, parce que vous êtes des enfants divins. Nous avons le pouvoir de créer pour nous le bien ou le mal. Par contre, eux, si nous faisons l'effort de bien faire, ils seront pour nous une aide à faire que ce soit très bien. Voilà, vous comprenez ça? Maintenant, si vous dites, vous avez un torrent en face de chez vous, avec la pluie, il est, par exemple, en ce moment, il est colère, hein? Oh. Ben moi, je vais vous dire, je ne m'amuserai pas en disant, mon âge, je me protège, je vais me sauter de pierre en pierre, parce que je sais que je vais tomber dans l'eau, je vais me noyer. Et mon âge, je vais dire, attends, hein? Il y a une jolie histoire qu'on m'a racontée, Viviane, qui est très jolie. Ah, Viviane, elle est très jolie, ton histoire, hein? Hein? Raconte-nous. Donc il y a ces grandes inondations, des grandes pluies très fortes, et il y a un curé dans son église, et qui est dans l'église, il prie, puis il dit Dieu me sauvera, Dieu me sauvera. Alors arrivent les pompiers, il lui dit, mais venez, venez, monsieur le curé, venez, venez, faut vous sauver. Non, 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 ne vous inquiétez pas, allez, allez, Dieu me sauvera, Dieu me sauvera. Et l'eau monte, 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 et là, ils arrivent avec une barque. Allez, monsieur le curé, il faut se sauver, il faut se sauver. Non, 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 Dieu me sauvera. Et puis l'eau, elle monte, et monsieur le curé, il monte sur le toit, et l'hélicoptère arrive, et monsieur le curé, venez, venez, non, 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 Dieu me sauvera. Sur ce qui devait arriver, arriva, il arrive vers Saint-Pierre, et alors il dit, et Dieu ne m'a pas sauvé. Et alors, qu'est-ce que tu as fait des pompiers, de la voiture, de la barque, de l'hélicoptère qui sont venus te... Voilà l'histoire. Hein? Bravo, ma... Voilà ce qui se passe toute la journée. Mais si je vous jure, cette histoire, elle me plaît, parce que c'est ça, tout le temps. Hein? Pourquoi subir? Laisse faire, mais sache regarder les signes. Quand c'est les signes, vous avez vu en Asie, qu'est-ce qu'il y en a des gens qui ont dit, qui ont été sauvés parce qu'ils ont vu les oiseaux et les animaux se mettre à l'abri. Ils ont suivi les animaux, ils ont vu le signe des anges, ils ont été sauvés. Sachez reconnaître les signes. Oui, mais on a des oiseaux.
On a des chats, des chiens. Non, mais sachez, parce qu'écoutez, moi je me souviens très bien que même chez nous, quand il y a eu des tremblements, enfin, vous savez, la terre a un peu bougé dernièrement, et bien, les animaux nous l'ont montré. Il suffisait simplement de regarder. Le problème, je vous le dis, c'est que vous passez à côté des signes parce que vous êtes trop pris par et de main et vous êtes pessimiste. Mais voilà. Subir. J'aime pas le mot subir. Il m'énerve. Alors qu'ils disent qu'ils peuvent tout arrêter. Ils peuvent tout arrêter. C'est comme si quelqu'un met une bombe et il allume la mèche. Là, je vous dirai pas, je vais éteindre la bombe, mais il vous dira fuis, fuis, fuis. Hein? Peux-tu expliquer ce qu'il a voulu dire par et notre mission sur Terre sera terminée? Parce que les anges n'auront plus de mission sur Terre à partir du moment où nous aurons atteint notre propre spiritualité, le je suis. Quand nous sommes dans la spiritualité du Verseau, les anges comme Gabriel, c'est-à-dire les grands anges du Shambhala, n'auront plus mission de travailler avec nous. Hein, ils ont autre chose à faire. Mais nous serons toujours avec nos anges gardiens. Mais les anges, ceux qui aujourd'hui prennent contact avec l'humanité, auront terminé leur mission. En invoquant le Shambhala, que sera alors la terre? Que serons-nous devenus? Nous serons au ciel. Là, tous, on sera au ciel. Hein? Rêvez pas. Hein? Alors, notre mission sur terre sera terminée. Donc, ça, c'est les anges. En invoquant le Shambhala, que sera alors la terre? La terre sera devenue... Elle sera dans une autre... comment on va appeler ça? Moi, je sais pas trop l'expliquer. Hein? Notre dimension, voilà. Oui. Le pourquoi actuellement, elle est en train de changer ses axes doucement, parce qu'elle est en train de rentrer dans la quatrième dimension, doucement, doucement. Et elle va atteindre une autre évolution, hein, et nous avec elle. Voilà ce que nous serons devenus. Et puis ceux qui seront plus sur Terre, ils seront au ciel. Mais on travaillera à aider les animaux quand ils auront atteint le niveau d'humain. Hein, nos animaux là. Nous serons ceux qui aideront nos animaux actuels. Je sais que ça dépasse beaucoup d'entre vous. Parce que nous avons été minéral, végétal, animal. Les anges qui s'occupent de nous actuellement ont été certains, faisaient partie de on va dire, des attentes très élevées. Hein? Donc, ils s'occupent de nous. Parce que nous étions les animaux de l'époque, certains animaux, même pas nous, parce que nous faisions partie aussi du monde atlante, mais le peuple qui commençait à l'époque. Certains anges qui s'occupent de nous étaient liés à nous par le monde animal. Nous, quand nous aurons atteint le niveau d'ange, nous nous occuperons des nouvelles âmes. D'accord. Le pourquoi il faut respecter nos animaux. Parce que sinon, nous aurons beaucoup de missions avec eux. On devra des comptes à nos animaux. Faut-il faire des provisions ou faire comme l'oiseau qui fait pas de projet? Alors, comme je ne suis pas un oiseau, alors, je fais comme le petit écureuil. Voilà. Et le petit écureuil, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des provisions. Alors, moi, je fais comme mon petit écureuil. Je fais mes conserves, mes confitures et toutes ces choses. Non, il est clair que ça ne coûte rien de faire quelques provisions, hein? Vous en pensez? Non? Je pense que on peut commencer à faire quelques petites provisions. Sans se prendre la tête, on n'allait pas dévaliser au champ, hein, demain. Est-ce que l'évolution de l'âme doit passer par des ruptures, par des temps de solitude, pour mieux vivre celle que je suis? Alors, est-ce que l'évolution doit passer par des ruptures? Oui. Parce que les ruptures nous font le lâcher-prise. Nous apprenons le lâcher-prise. Le besoin d'amour développe en nous, un autre regard. Hein? Imaginons une femme ou un homme qui a l'habitude de regarder le même style de personne chaque fois. C'est parce qu'elle aura
Et son ange lui présente quelqu'un tout le temps de bien, mais parce que physiquement cette personne n'est pas dans sa, dans ce que, dans son image, vous voyez. Mais parce qu'il aura atteint une grande solitude, quand l'ange lui présentera la personne qu'il veut, qui est bonne pour lui, il la regardera. Hein? C'est ça, c'est important ça. Donc, on passe par des ruptures, ça, c'est sûr. Hein? Maintenant, tout dépend de ce que votre âme veut évoluer. C'est pas systématiquement. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles pour faire l'évolution des tas d'exercices terrestres sont évolutifs. On imagine quelqu'un qui, à nos yeux, n'a pas d'épreuve, vous savez. Mariage réussi, les enfants réussissent à l'école, ils sont en bonne santé, ils se marient bien, ils gagnent bien leur vie. C'est chouette. Voilà. On peut se dire, bon, mais cette personne a fait son évolution, peut-être simplement de vivre la relation de la famille, on va savoir. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas trop de jugement là-dessus, j'aime pas trop mettre des images. Mais c'est vrai que l'âme évolue bien dans des ruptures et l'âme évolue bien dans des passages de solitude. Mais nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Hein. Donc, c'est aussi... s'unir apporte après un autre travail. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Non? Donc, je vais vous lire les messages, les deux derniers. D'un message de Saint-Étienne, écrit petite sœur, en ces temps, tournez-vous vers le soleil. Donc, vous avez compris que c'est l'image, le soleil, c'est votre cœur. Hein? Quand tout vous semble perdu, tournez-vous vers nous. Que vos corps suivent le chemin sans épines, sans détourner vos regards de nous. Alors, le chemin sans épines, c'est parce que vous allez, si vous restez dans ce que je vous dis toujours, l'ange est avec moi, donc tout ce que je fais, je sais que l'ange est avec moi, vous écartez quand même les épines de votre chemin, parce que vous, croyez-moi, je sais ce que je dis, on ne vit pas les choses pareilles. Croyez-moi, on ne vit pas les choses pareilles. Nous formons de grands égrégores de protection. Saint Gabriel transmet les messages du plus haut des cieux et vous envoie à vos responsabilités. Je reviens tout à l'heure à la question, vous savez, il pourrait tout arrêter. Mais il faut quand même dire hein, qu'il y a beaucoup de catastrophes aujourd'hui qui ont été arrêtées par les anges. Il y a eu à un moment donné une astéroïde qui était très près de nous percuter et qui a été détournée. Et ça, c'est prouvé. Parce qu'à la NASA, je ne sais pas si vous en souvenez, on en avait parlé à la télévision. Et à la NASA, ce qu'ils ont dit à l'époque, hein, moi je m'en souviens, ils avaient dit, ben, elle venait tout droit sur nous. Et au dernier moment, on ne sait pas ce qui s'est passé, elle a bifurqué. Donc, pour vous dire, et à l'époque, hein, moi, je me souviens très bien, il y avait eu un message d'ailleurs où les anges avaient demandé, moi, en conférence, j'avais dit aux gens, c'était, ils nous avaient donné une date et ils nous avaient donné une heure. Ceux qui m'ont suivi à l'époque doivent s'en souvenir. On devait se réunir tous dans la prière hein, pendant ce jour-là et cette heure-là. Parce que les anges allaient agir sur cet astéroïde. Et ça, c'est fait. Et dans le monde entier, il y a eu des prières qui ont été faites. Donc déjà, il y a des choses qui ont été arrêtées. Et il faut savoir que certaines inondations... Écoutez, vous savez les inondations qu'on a eues dans les régions ici, dans le sud de la France et dans le nord de la France. Pour les inondations qu'il y a eu, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont été touchées. Dans le sens mort, moi je parle. Beaucoup de gens ont dit, on a été protégés. Beaucoup, beaucoup. Il y a eu la foi. Les gens ont eu la foi à partir de là. Et moi, je me souviens d'une jeune femme à Saint-Laurent, dans un lotissement. Elle habitait une villa de plein pied. L'eau est montée jusqu'au plafond, dans une rapidité telle qu'ils ont réussi à faire un trou et à se monter sur le toit. C'est ce qui les a sauvés. Ils ne savent pas encore comment. Elle a dit franchement, je suis sûre, elle a dit, mais je suis sûre qu'on a eu l'aide de notre ange à ce moment-là. Et beaucoup de gens, parce qu'à l'époque, moi j'ai vu des gens, plein de gens sont venus me voir, ils étaient très, très touchés par ce qu'ils avaient vécu, et tous avaient dit,
on a eu une aide au dernier moment. Donc, quand même, il faut le dire. Donc, nous formons de grands égrégores de protection actuellement. Hein. Saint Gabriel transmet les messages du plus haut des cieux et vous renvoie à vos responsabilités. Saint Raphaël soutient physiquement et moralement ceux qui subissent bien des chaos. Petite fille, nous sommes venus à toi dans le jardin, accompagnés des séraphins, ceux qui soutiennent le voile de la Sainte Mère. Tu es la cuillère qui verse dans les cœurs de ceux que nous guidons la connaissance d'amour que nous te remettons. Les anges gardiens aident les âmes à se défaire de ses propres dualités. Ces anges sont un appui important pour Saint Michel, qui combat les formes mauvaises qui habitent les demeures de chaque enfant de la terre, comprendre l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous, les saints, œuvrons à la survie de ce monde. Donc, c'est que quand même, et s'ils œuvrent à la survie de ce monde, c'est qu'ils nous aident à ce qu'il n'y ait pas justement une destruction de la planète. Nos messages viennent du plus haut. Au fond des mers et des océans, des choses se passent. Certaines sont connues, mais sont tues par crainte ou par convoitise. Certaines ne sont pas connues. Le danger existe et nous veillons. Le voile de la purification passe. Doucement mais sûrement. Grands événements, beaucoup de détresse. Il a fait une pause. Autour de lui, des saints chantent et sourient. Il dit encore. Nouvelle ère. Du Shambhala tombe autour de la terre une pluie de lumière qui forme comme un puissant manteau. Certains d'entre vous, déjà prêts, en sont aussi atteints et recouverts. Bouleversement de l'âme. Le pourquoi, peut-être, des fois, vous pouvez vous sentir... vous pouvez avoir des passages où vous êtes comme transcendé, plein d'amour et de quelque chose qui vous dépasse, où vous pouvez passer par de grandes détresses sans comprendre aussi. Vous savez, c'est la dualité de votre âme hein, aussi. Vous savez ce que vous vivez en ce moment, que vous êtes fatigué, que vous ne savez pas ce qui vous arrive, que vous êtes tantôt dans de la joie, tantôt dans du chagrin. C'est parce que vous ressentez toutes ces vibrations. Hein. Le cœur se régénère, passe en difficulté, car il doit affronter les scories mentales et les écailles qui recouvrent encore certains de ses corps subtils. Après avoir bu au calice, viendront les délices. La terre rendra à Gaïa son titre parmi les étoiles. Grande réconciliation, notre mission terrestre sera alors terminée. Eh bien, ils disent qu'il y a des choses qui se passent. Alors, si on sait qu'en Asie, ça a été lié à un tremblement de terre sous-marin, et il y en a plein en ce moment. Oui. Oui. Ils parlent de ça et des choses qui se réveillent au fond de l'eau, des volcans qui se réveillent. Ils parlent de... Ça bouge sous les mers et les océans. Ils disent que ça bouge. Voilà. Ensuite, il faut savoir aussi que la fonte des glaces fait monter les eaux et que ces eaux-là posent problème aussi hein, pour les anges parce que ils se débrouillent, je ne sais pas comment, avec les devas. Ils font des ouvertures que l'eau passe ou s'évapore dans certains endroits, tu vois. Ils font aller l'eau dans certains endroits. C'est pour ça qu'il y a des fleuves qui montent. On ne sait pas pourquoi. C'est pour protéger des certains lieux, des villes ou n'importe. Enfin, moi, je sais qu'ils font des trucs comme ça. Je ne peux pas vous expliquer vraiment le truc, mais ils font beaucoup, beaucoup de travail actuellement de protection pour la planète, d'entraide par rapport à l'eau, beaucoup à l'eau. Et ils disent que donc, dans les océans, actuellement, là, il y a énormément de remous. Énormément, énormément. Mais on ne sait pas tout, hein. Parce que même il y a des catastrophes qui se passent, mais qui sont vues, mais qu'on n'en parle pas. Oui. Oui, oui. Exactement. Bien sûr. Entièrement raison avec ce que tu dis, Dominique. C'est très... Actuellement, si tu veux, tout ce que nous travaillons hein, pour aider notre planète, hein, comme tu le dis, dans l'émotionnel, dans la prière, hein, dans les peuples indiens,
certains peuples indiens qui actuellement font des prières, il y a les chamans qui bougent beaucoup, tout ça est d'une grande importance pour la planète. Alors aujourd'hui sur Terre, les anges contactent des enseignants comme moi, mais ils contactent aussi les chamans, tout ça, qui eux sont pour les aider les devas. C'est-à-dire, il y a les indiens, les chamans indiens, tous ces gens, les druides. Actuellement, il y a beaucoup de druides aussi. Tous ces gens travaillent avec les devas pour protéger les devas, mais aussi, ils sont en accord avec la colère. Hein. C'est-à-dire que certains devas très en colère, hein, s'ils ont s'ils ont l'accord des anges, vont chaque fois faire un événement. Hein. Comme par exemple, la fameuse inondation en Asie. Ils font un événement. Parce que quand il y a un trop-plein de quelque part, il faut bien que ça... Par contre, certains chamans indiens le savent très bien et ils sont en accord avec eux, je veux dire. Hein. Ils ne sont pas là pour l'arrêter. Ils sont là aussi pour les aider à ce que la puissance... Ils leur donnent de la puissance. Il faut le savoir quand même. Parce que si... Comme on disait dans le premier, elle disait, nous, anges des mers et des océans, nous ne voulons pas mourir en dehors de notre cycle, c'est-à-dire qu'en dehors de ce qui est prévu dans le temps. Or, la pollution actuelle, surtout des mers, la mer Méditerranée, n'en parlons pas, c'est la plus polluée, si vous voulez, ça joue c'est très capital si vous voulez, l'explosion qu'il va y avoir de devas. Mais pour l'instant, comme justement la mer Méditerranée, les côtes de la mer Méditerranée sont tous des pays très industrialisés la plupart, hein, à part bon, certains pays, mais quand même qui touchent des pays industrialisés. Et c'est vrai que donc on est protégé grâce à ça. C'est-à-dire que les anges savent que ça sera sérieux. Donc pour l'instant, on essaye de calmer la colère des devas. Parlons des baleines. Les baleines, c'est pas un animal comme on croit. Hein? Parlons des dauphins. C'est pas un animal comme on croit. C'est des êtres qui ont atteint un niveau d'intelligence supérieur. C'est donc, on va dire, si vous voulez, on pourrait parler comme si c'était des êtres sacrés. Voilà, comme si c'est des animaux sacrés. En touchant ces animaux, on a fait une grave blessure aux devas. En touchant ces animaux, on a fait quelque chose de très grave, qu'on ne peut même pas s'imaginer. Le pourquoi, il est impératif d'enseigner nos enfants déjà sur les animaux, et peut-être d'essayer de faire quelque chose pour ces animaux. Parce que c'est d'avoir touché aux baleines, aux cachalots et aux dauphins, c'est quelque chose que moi je sais que c'est très grave. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, c'est très grave. Voilà, vous voyez. On parlait des éléphants. Si jamais, c'est pareil, l'éléphant est considéré par les devas comme un animal sacré. C'est, d'ailleurs, pour ça, en Inde, il est considéré aussi comme un animal sacré. C'est un animal aussi qui a d'une intelligence très élevée et qui doit être très respecté. En ne respectant pas aussi cet animal, on porte atteinte à toute l'Afrique. À toute l'Inde. Je veux dire, c'est très important. Moi, je ne sais pas trop tout ça parce que je suis petite. Mais je sais que c'est très grave de toucher à ces animaux. Et les oiseaux, parce que les oiseaux sont gouvernés par les anges. De pourquoi on représente toujours les anges avec des ailes d'oiseaux. Vous voyez, les oiseaux priaient pour qu'on entende toujours dans le ciel chanter les oiseaux. Si un jour on n'entend plus les oiseaux chanter dans le ciel, on pourra se poser de graves questions. On pourra s'inquiéter, je crois. Pour vous dire l'importance que ça a. Plus qu'on ne croit. Hein? Et les enfants. Vos enfants. Hein? C'est capital
qu'ils aient un enseignement. Message de Saint Raphaël, écrit l'enseignement de perfection. Les hommes se perdent dans toutes sortes de scories mentales qui le retiennent prisonnier de la matière. Pour vous libérer de votre condition de terrien, il est bon de comprendre. Vous n'êtes pas une race, un homme, une femme, une union. Vous êtes plus que cela, vous êtes une entité céleste. Ceux qui s'identifient à une race, une famille, une union, se retiennent captifs de bien des illusions. Alors viennent les pires convoitises, les plus bas désirs, les guerres, les colères, les peines, les souffrances. Pour vous élever vers le soleil de votre éternité, vous devez vous libérer de vos races, de vos familles, de vos unions et vivre enfin votre filiation divine. Ce que je vous dis là n'est pas pour que dans cette vie-ci, vous reniez vos races, votre race, votre famille, vos unions, mais pour que vous y cheminiez calmement afin de perfectionner votre « je suis ». Vos âmes ne font pas partie d'une race, d'une famille, d'une union. Elles sont uniques et merveilleuses. Les races, les familles, les unions ne sont que des outils où l'esprit vient, l'espace d'un éclair, se perfectionner. Que ceux qui le désirent entendent, c'est « je suis » partir. Voilà. Bon. Et vous allez bien le travailler. Hein? Vous allez bien travailler à la maison, tout ça. Hein? Bon. Je vois que vous avez... Pas de questions, pas de questions. Bon. On va aller à la maison, alors. Alors, je voulais vous dire un truc quand même. Hein? Qui c'est qui connaît un peu l'astrologie ici? Un petit peu, pas trop, pas beaucoup? Bon, un petit peu, d'accord. Parce qu'actuellement, vous savez, il y a des transits dans le ciel. Les planètes, on dit transit, ça veut dire qu'elles changent de cycle. Et vous avez le Verseau et le Poisson qui jouent une importance capitale. Pour ça, je voulais vous le dire quand même. Hein? Tant pis si vous ne connaissez pas trop. Je dis que ça devrait être appris à l'école, l'astro, quand même. Uranus, c'est la planète du froid. C'est la planète de la glace et du vent. Et là, elle vient de rentrer en poisson. Le poisson, ça gouverne les océans. Vous mettez le vent, le froid, dans l'eau. Qu'est-ce que ça occasionne? Des tempêtes très puissantes. Neptune, c'est le gouverneur du poisson. Neptune, c'est l'eau. Il vient de rentrer en Verseau. Le Verseau, c'est le signe du vent et du froid, de la glace. Vous mettez l'eau dans le vent, le froid et la glace. C'est très fort. Il faut savoir que Neptune est aussi le gouverneur des pays où il y a le pétrole. Vous mettez dans le Verseau, il faut savoir que le Verseau gouverne la Russie, les États-Unis et tous les pays industrialisés. C'est aussi des états de guerre. Donc, même dans le ciel, certaines planètes se mettent en place pour préparer certains événements. Pour vous dire qu'on a aussi des clés, que si on regarde le ciel, les anges nous ont dit il y a longtemps, et des signes, et vous verrez des signes dans le ciel. Et ça, ça en est des signes. Et ce qui s'est passé en Asie, il faut savoir aussi que le poisson gouverne les pays asiatiques. Vous voyez? Et quand il y a eu ces événements, c'était quand ces planètes sont rentrées. Alors, il faut savoir que Mars passe actuellement aussi dans l'aspect du Verseau, et dans ça joue un rôle aussi dans notre monde de conflits énormes. Alors, on peut faire quelques petites prières, hein, comme vous voulez. Et avant de se quitter, on va faire un petit égrégore de paix. Vous voulez? Bien. Parce que c'est vrai que je vous ai fait vous lever, mais je trouvais qu'il y avait manqué quelque chose. Hein? Il manquait quelque chose de joli. Alors, qu'est-ce qu'un égrégore? Pour ceux qui ne savent pas, c'est on va se mettre un moment dans le silence, hein? On va fermer nos yeux, on va penser ce que l'on veut. Vous voyez, ça, on est dans le Verseau déjà. Si il y en a qui aiment prier, prie. Ceux qui aiment avoir pensé de belles choses, ils pensent de belles choses. Ceux qui veulent, comme vous voulez, quelque chose de très joli que vous allez envoyer aux anges.
Parce que la pensée jolie que vous allez faire est forte pour les anges et ça va faire donc dans les Grégores une force supplémentaire. Voilà. Pas longtemps, vous verrez. L'espace d'un éclair.